Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment compiler le langage C sous Windows. Alors sous GNU Linux, nous avons le GNU C Compiler, GCC. En français, compilateur C GNU. Alors, comment faire sous Windows? Sous Windows, nous avons MinGW qui propose GCC pour Windows. Donc je vais sur Internet, google.fr, je tape MinGW, je clique sur le premier lien, je vais aller sur Download, ensuite ici j'ai Automated MinGW Installer. Donc je vais prendre le .exe, mingw514.exe. Voilà. Alors ici c'est télécharger le fichier. Alors moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai mis le fichier dans un répertoire mingw sur le bureau. Donc le fichier est là. Donc j'ouvre le fichier, j'exécute, je clique sur suivant, je suis d'accord. Voilà, donc on peut éventuellement installer d'autres langages, mais nous on laissera tout par défaut, on installera juste le C. Voilà, et c'est bon. Alors pour finir, je vais faire propriété sur poste de travail. Voilà, j'irai dans l'onglet avancé. Je cliquerai sur variable d'environnement. Ensuite, dans variable système, j'irai sur path, c'est-à-dire chemin en français. Je ferai modifier. Et à la fin, il faut que j'ajoute c://mingw/bin. Voilà. Ensuite, je peux saisir mon programme dans bloc-notes. Donc, par exemple, include stdio.h int main void accolade printf bonjour point d'exclamation slash n voilà return 0 point virgule, je ferme mon accolade et à la fin je n'oublie pas de rajouter une ligne vide, c'est important, toujours mettre une ligne vide à la fin pour Windows. Ensuite j'enregistre mon fichier, voilà, donc je l'ai enregistré là, bonjour.c. Maintenant je vais le compiler, démarrer, exécuter cmd. Donc je me mets dans le bon répertoire, bureau, et je ferai gcc-wall bonjour.c-o bonjour.exe. Voilà, et j'ai le fichier exe qui se met là. Donc je vais exécuter bonjour.exe. Voilà, ça m'affiche bien le message bonjour. Voilà, ce cours est terminé. Merci et à bientôt.